champion qui s'appelle Jason Miller. Dicoz. J'ai acheté. Bien. C'est compa.fr, toujours devant. Yeah. C'est ça. Devant le net. Zoukompa.fr. Bon, Dalin, pourquoi on est là aujourd'hui? Ben nous là pour venir dans un cocktail de presse, Timiki, T-Vice, mettre béton là, donc tout le monde là, communauté haïtienne là, représenter nous, ils font belle bagarre. Bon, nous, Dicoz là, ça Dicoz a fait là lui-même. Ben, on revient dans la communauté, voir ce qui se passe. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais disparu. Ben là, on va dire que c'est le moment de revenir, voir ce qui se passe avec T-Vice, Timiki, ACB Productions et Zoukompa.fr. Ah, vraiment, magique. L'insight, yeah. Toujours le power. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça qu'a fait la communauté? Beaucoup, hein. La communauté a beaucoup. Ça te mène là même. Moi même, ça te mène là, c'est. Tu vas ici, Vicky, te mène là. Ouais. Ah. Parce que l'ingé, c'est mon pote. Moi, il balle un coup de main. C'était le ville là. Et voilà, moi même, c'est Marabout. Ah. Il y a secteur A. Marabout, oui. Parle-moi un petit peu, c'est qui ça Marabout lui-même? Marabout lui-même c'est non taglé au moins, dans le temps de la musique, comme la musique haïtienne que du rap, secteur A, les grandes puissances du rap français, Alibi Montana, tant d'autres, Dof, du 104, c'est eux-mêmes, c'est communauté A, et eux qui ont fait bouger. Donc comme on compare, c'est encore l'autre de Vellier, pour nous la donne et nous connaître. Parce qu'en plus, on ne va pas connaître ça que les compas. Mais nous-mêmes, haïtiens, nous connaissons ça que les compas. Posez. Ils sont gros causés. Oui, c'est la puissance du compas. Et là, on va faire un compas. Oui, c'est quoi la puissance du compas? Posez. Posez même. Yeah. Bon, ça qui passe, c'est un gros plaisir pour moi, nous là. Très important. Open time, mon magaï. À disparu, hein. Oui. Pardon. Peggy, dis-moi, Abdiya, devant la caméra. Quand Abdiya, on est venu voir, ils sont bons moments. On a un Timiki qui va mettre Haïti dépôt en combat. Avec un gros combat, on est venu voir, qui est en forme depuis plus de 10 ans. Pas de pareil là-dedans. Bon, Peggy, comment on fait toujours dans toute bagaille créative, Peggy? Bon, on est que. Esprit a déjà pour nous soutenir Haïti pour Haïti monter. Pour nous voir le monter, les gains on va être bon, nous font effort quand même pour nous là. Voilà tout le temps, non? Non, mais Peggy n'est pas seulement ça. Et danger, oui, Peggy. Où peut-il? Nous danger, long sens. Nous devons aller au. Très important. Et puis salut tout le monde qui a foutu de nous. Ah ben, relax. Bon, vite, plus jeune. Bon, ouais. On est plus gros guitariste là même. Oui. Mais tous les temps. Nous disons là pour mettre l'épaule. Ah ouais. Qui c'est la chose, monsieur? Nous fait deux DVD de top by, c'est seulement quelque chose fait dans le monde entier. Et monsieur m'a dansé depuis longtemps. Même. Ah ouais. Et faudrait écrire moi, monsieur même. Bon, alors on va faire tout le bagage. Ah ben dis-nous un petit mot. Je ne comprends pas Paris. Dernièrement, Michel Péry vient d'Eglo là pour une belle réserve. C'est pour ta boue. Bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes un bayou. Vous sentez que oui? Oui, on est le constitution très différent. Très différent, tu vois. Faut dire que le peuple c'est Robert Martino. Yeah. Si monsieur son aigle guitare, il bouille, il brèle, l'enseigne, il fait tout ça avec. C'est donc bon son guitare lui en personne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, pas rien mieux, non ça. Non, je devais l'étendre dans la bouche. Oui, je dis à mon cap, c'est grâce à monsieur en partie qui va au goût.
Et c'est quoi une guitare qui invente le nom du monde? Tu vas qui fait le nom? Et moi, mes amis, dis-moi qui est au point de d'inspiration ça. Qui monde? Qui? Ou même, par contre, qui? Par contre, mais si j'étais même dans des anciens de guitaristes, et puis moi-même. Comme qui monde? Moi, mes amis. Santana, Jimmy Page, et d'être un guitariste que j'ai fouillé Jimi Hendrix, un ami de l'autre nègre, non? Eric Clapton, Exayo, et puis il y a des guitaristes. Mais devant ces nègres fouillés là, monsieur, parce que... Non, mais fouillé là, yo. On a cru qu'il avait un revolver. Ça faisait froid dans le dos. Les médias se sont largement fait l'écho de cette chasse à l'homme. L'auteur des faits, un agent immobilier berlinois. Je suis un musicien. Je sais qu'un jour, en Haïti, nous aurons une association. Vous aurez une association, si vous permettez. Donc, à travers laquelle vous pouvez faire entendre vos droits et revendiquer vos droits. Je pense que Jean-Pi est l'organisation de la propriété intellectuelle à travers l'OMC est là pour vous aider. Cependant, vous devez vous unir. Vous devez vous unir pour revendiquer vos droits. Permettez-moi ce soir de vous dire et de vous décerner le titre que vous méritez à juste titre. Car à travers le monde, vous ne faites que rayonner le nom d'Haïti. Ce soir, chers amis, je ne peux pas sur moi-même de vous le dire, mais vous êtes les ambassadeurs d'Haïti à l'étranger. Et je vous dis bonne soirée et la fête. Merci, monsieur Bélizère. La musique de R&B, de compas, ancien compas, de fête mélange, pour continuer le pont avec la musique haïtienne là vers le monde. Tu prends la parole, mais sans doute vous pouvez parler d'eux. Si je veux parler, tu sais que bon, tout d'abord, on va essayer de le faire moitié-moitié. À moitié-moitié parce que mon français n'est pas trop à point. Ok. Tout d'abord, merci d'être venu ce soir et nous sommes très contents d'être là et tout le groupe. Et Rinaldo Pizza va venir et ce petit migraine nous sommes dans l'hôtel là la proposer pour demain. Tout d'abord, demain va une belle fête parce que je dis à la fier, non seulement que je ne suis pas à côté sans doute, parce que d'habitude, je suis à côté papa de Chita. Je dis à la, regardez, je suis à côté le fils. Papa de Chita à côté papa, je dis à papa de Chita ensemble avec nous. Et moi-même, j'ai toujours été jeune et puis je suis bien en mi-temps. So, I feel good. And tomorrow night is going to be a good night, man. Ça veut dire que c'est la musique haïtienne qui a gagné. Et puis, nous-mêmes, nous venons là, c'est une question de venir nous présenter culture haïtienne. Non? Et puis, on va le faire demain soir, comme on l'a déjà fait. En tout cas, et nous-mêmes, Tivais, nous remercions le public là de appuyer, de support. Hein? Et puis, nous avons dit que nous avons continué dans la vie. Et puis, nous avons répondu à n'importe question que nous avons pour nous. Nous avons n'importe combien de jours ici. Nous avons 8 jours déjà que nous avons viré ce territoire là parce que nous avons commencé Toulouse, de Toulouse étant à Lyon, de Lyon étant descendu Marseille, de là nous rentrons à Paris et puis nous avons terminé ça mercredi avec Timiki qui c'est demain dans l'espace Venise côté que nous allons éclater ça avec Compasso. Et on est là, on attend vos questions, merci d'être venu et puis on va faire la fête ce soir, on commence à faire la fête ce soir et puis on finit demain. Ok? Merci. Bonne note. Ah, on est. Et je salue tout le monde qui a arraché cette vidéo, tout le monde qui a supporté Jaza. La question. Merci pour suivre, merci pour accueillir. Merci pour la vidéo. Il y a votre question, on la reprend. Merci.
tiens à remercier la presse, tous les médias qui sont venus pour supporter le compas. Grâce à vous, si vous avez raison, le compas va pouvoir avancer. Comme M. Beniz avait parlé tout à l'heure au niveau du piratage, pour le moment, je ne dis pas qu'on est nombreux qui sortent des albums. J'ai fait partie de ceux qui sortent pas mal d'albums. Je suis vraiment victime pendant plusieurs moments. Parce que quand on sort un album, il y a beaucoup de piratage, on n'arrive pas à s'en sortir. Le problème qui se pose à Paris, aux États-Unis, aux Antilles. Entre nous, on n'est pas solidaires. Si on était solidaires, on pense qu'aujourd'hui, les compas devaient être encore plus loin. C'est la seule culture qu'on a en Haïti. On ne peut pas dire qu'on est riche, qu'on a une culture. C'est cette culture qu'on a, qu'on devait encadrer, qui nous amène dans un niveau, dans ce monde-là. Le fait qu'on n'est pas solidaires entre les promoteurs, organisateurs, on est en train de mettre les bâtons dans les roues, qui fait qu'on ne s'en sort pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà félicité Ali Larivière, je fais un album avec lui en coproduction. Grâce à Dieu merci, tout est bien passé. Je tiens que à tous les autres musiciens, à tous les promoteurs, qu'on puisse mettre main dans la main. Parce que ces derniers temps, il y a pas mal de concerts qui sont passés à Paris. C'est vraiment des fiascos. Parce que quand quelqu'un il a organisé un concert, il a perdu de l'argent, ça fait très mal. Parce que quand tu reproduis, tu perds 10 000 euros, c'est comme si tu as perdu 30 000 euros. Parce qu'il faut recommencer. Cette personne a travaillé pour encaisser, pour déposer du côté, pour réussir à faire un concert, qu'il a perdu son argent, ça fait très mal. Grâce à Dieu merci, j'organise des concerts. Si je tiens vraiment si les concerts pour gagner de l'argent, je pense que j'aurais déjà abandonné. Parce que je le fais pour mon pays, par amour que j'ai pour la musique haïtienne. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, en tant que promoteur, il y a des promoteurs, il y a des organisateurs qui veulent mettre des bâtons dans mes mains. Dans le compas, je ne vais pas devenir riche, j'ai fait ça pour mon pays, pour l'amour de mon pays. Mais malheureusement, il y a toujours des aigris qui veulent mettre les bâtons dans mes roues. Mais en sachant que je vais quand même lutter pour mon pays, mais je ne vais pas lutter pour ces gens-là. Enfin, je tiens à remercier tout le monde, les médias. Et prochainement, je pense que les organisateurs, on doit se rencontrer pour qu'on s'organise. Même si j'ai l'habitude de faire 5 fois, 6 fois dans l'année, je préfère faire 3 fois que les autres s'organisent, qu'on puisse faire des concerts qui puissent réussir. Quand on fait un concert qui ne marche pas, ce n'est pas bon pour la communauté. Et prochainement, je tiens que les musiciens, ils doivent s'éveiller aux Antilles, aux États-Unis. Les bandits qui ont fait une créative pour détruire cette culture. Il faut qu'on soit tous solidaires pour qu'on puisse avancer vers un avenir meilleur. Je tiens à vous remercier et je dis à tout le monde à demain soir. Bon compas, bon bagage. Merci beaucoup. De même petit, ma chérie Tivaïs, je par maman avec Tivaïs dans un stade de polémique. L'enfant que vous avez dit, Tivaïs quand même. Et Marvel, en tant que on s'est dit pas taille, mais on est le même, deux jazz, quatre musique, pour tout fanatique qu'il a eu. Mais le problème, c'est tout le monde qui Tivaïs. Marron, c'est le même, vous savez, Marron, c'est le même, Marron, le même, ça, depuis on a amusé, depuis on fait, on fait. Ça bon pour tout le monde, je vais m'en aller. Non, ça me demande, c'est que Tivaïs bon dans les gens. Est-ce que vous même vous dites, faut me travailler plus que Tivaïs, même si les a dormi, il y a bien dans la piscine, est-ce que moi-même, faut me réunir pour me travailler? Comment dire pour me contacter avec les gens? Bon, même ma travail, vous montrez la 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 travail, aussi qu'on est, que tu vas être bon goût, vraiment content que ma joie avec en face là, c'est ça son vrai, d'accord. Il n'y a pas plus en compétition musicale, là plus en balle, côté de et après son balan amical et c'est pour Fatimé qui a pris le ici, vous avez tout de même, n'a pas voulu porter la bouillot. Et puis pour nous bailler public la chance
chance pour découvrir tout ça que je pensais qu'il n'y a plus l'avenir. Que nous-mêmes nous avons plusieurs reprises, que nous-mêmes que je pensais qu'il s'est même dans vous. Et qui a pris la relève, bon, pas qu'à dire qui a pris la relève, tout là, prend la relève. En vrai, ça veut dire que faut que nous agions, nous-mêmes, tout conseil nous avons fait. Ah mais demain soir, ce n'est pas une question de compétition pour que les gens viennent. Ils pour tous les deux pour regarder le spectacle. Je ne sais pas si privé dans le niveau de compétition. Pour nous, pour Tibio, je ne vais pas parler de Tibio parce que je ne vais pas moment arrivé pour me déposer une question. Et Tibio, en voyage avec nous là, monsieur remplacé James Cardozo. Parce que James perd du titre dans l'accident de machine. Par contre, si nous prenons de ça. Il y a deux mois de ça. Et c'est très malheureux. Et je suis obligé de rester pour consoler la famille, papa, le frère, qui vraiment est consolable parce que c'est ton drame extraordinaire. Et le frère, monsieur, qui n'a que 33 ans, mourir dans l'accident de machine pendant que nous allons célébrer victoire au carnaval Saint-Domingue. Et nous, tout le monde à l'aéroport, jusqu'à ce que monsieur vienne. Et puis c'est comme ça que nous apprenons que nous avons dit monsieur, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de jour. Et James Spagnet que pour le monter sur le podium, normalement pour le cas jouer musique pour le 2, mais on l'a parfait. Ouais. Sauf c'est pendant ce temps, et Tibio aussi cousin nous, c'est donc c'est même nous maintenant. Même le que je ne suis pas dans mon compas, je suis dans mon rap créole, hip-hop, et puis comme je suis avec nous dans le carnaval en Haïti, tu as aidé nous sous champ là. Et puis nous dit monsieur, en tout continuer à faire route là, et pendant que James sont frappé, bah, et jusqu'à présent, nous avons fait un bon travail. Et moi, c'est que demain soir, nous avons quitté le comme surprise, comme celui-là. Et moi, c'est que demain soir, le public parisien a bien chance pour louer monsieur Soussène pour la première fois. Moi, c'est que jusqu'à présent, monsieur, ça a bien fonctionné avec nous. Et le monde qui était Marseille, Lyon, Toulouse, Yoga, il y a parlé de moi. Et puis, demain soir, nous allons montrer Mounio et encore ici, à Paris. Et comment que nous bien fait le tour sur ça, les petits pays où nous allons faire manquer parce que comme on connaît, il y a un conseil de fanatique boys. Il y a un fanatique petit pays où il y a. On ne parle pas à monsieur, non. Est-ce qu'on va pas respecter? Et pour me dire, nous, depuis bien 3 ans, les civils ont commencé, ils sont toujours là. On regarde eux, on regarde Roberto, on regarde Ronaldo. Et je dis à ma parole avec Negio, ils sont fiers, même très contents. Et pour 2000 ans, nous allons voir ça. Si Vince gagne un sac, il va toujours. Si Miki gagne un sac, il va gagner un sac, moi tout. Et puis c'est tout, oui. Merci. Un paquet d'autres bagages avec l'aide des musiciens haïtiens. Ce matin, j'avais une réunion avec la SACEM. C'est le deuxième qui vient après le premier et directeur. Avec moi, une ancienne directrice de la SACEM de la Guyane. Nous faisons une belle réunion pendant au moins 30 minutes. M'expliquer ce que nous avons aimé. Un concours de la SACEM en Haïti pour nous aider. Parce que ce n'est pas une honte dans ça. Et qui nous a aidé, nous, mais à la longue, n'a pas. C'est nous qui avons gagné. Bon, je suis d'accord, je suis d'accord. On dirait que nous avons l'aide du président. De mon ami Michel Martelly pour nous capables de commencer la procédure. Je dois dire que ce régime là, moi-même, ma bataille pour lui depuis longtemps, c'est pas avec le sang de vous connaître, que vous êtes tout connaît, je ne pas dormi, et que j'ai su connaître, je ne pas dormi pour que ça fait. Parce que moi, il est temps que les musiciens haïtiens aient leur droit d'auteur, compositeurs en Haïti, ainsi que tous les artistes. Ce n'est pas les musiciens seulement. Hein. Il y a aussi des peintres, il y a aussi des poètes, il y a aussi des sculpteurs, de toutes sortes qui ont rapport avec l'art. Mais comme on a parlé de musique, et ça c'est beaucoup plus seulement de oui, la SACEM c'est la musique, mais il y a aussi d'autres choses. C'est-à-dire que, en principe d'art, le bon monde créer un bagage, il fait pour protéger le droit. C'est-à-dire que s'il font un tableau, s'il fait ça, bah, il ne doit faire. Si je me dépose ça, c'est me créer. Si vous faites, il faut payer droit sur lui. Alors c'est là que, mais ce sera pas facile. Le conseil, M. Bélizer, est au courant de ça. L'État haïtien va être au courant parce que c'est nous tous qui bénéficions. Les musiciens haïtiens vont bénéficier de cette affaire de droit d'auteur. Mais il faut qu'on ait les droits d'auteur. Il est temps. Nous sommes en 2012. Il faut. Mais en principe, il nous faut
le concours de tous les artistes, de tous les musiciens, parce que c'est dans leur intérêt qu'ils soient membres des droits d'auteur. Alors merci beaucoup. Monsieur, moi, merci en pile de ce que vous venez avec les questions. Hein. Là, à côté, ma parole, c'est ça, ma calcule toujours. Parce qu'il est temps pour nous. Merci beaucoup. Tout dans la SACEM, c'est avec vous, vous connaissez, tout le monde connaît, on va cacher toute la vie. Et nous allons montrer tout le monde, parce que ce sont les chansons. Mais il faut maintenant que vous fassiez tout ça. Je dis que le président pays a tout. Monsieur, nous parlons avec Monsieur Vraiment entré là, et Monsieur très et actif sur la question, et Monsieur voulait tout, et la SACEM rentre en Haïti, et Monsieur ne mettait pas vraiment en charge de Baïsa, et Baïsa l'a fait quand même. Au contraire, Baba Mzoum du Bapto, et ses priorités, c'est et protéger le droit d'auteur tout artiste dans le moment, et pour nous. Avec la SACEM en Haïti. Mais il faut que je me dise tout, dans les musiciens qui ne connaissent pas même cette classe SACEM, dans les musiciens qui ne comprennent pas cette classe SACEM, je vais dire sous. Non, juste en motion. Non, la SACEM et puis les droits d'auteur. Moi-même, m'assister papa, pour faire une discussion avec un très grand chanteur dans la musique haïtienne, à Miami. Parce que papa m'a expliqué, monsieur, est-ce qu'on ou membre de SACEM, vous avez dit, ça ne va pas citer, non? Et puis, monsieur, je papa, comme si papa m'a ironisé, et monsieur, même dégénéré en discussion, pendant que papa m'a bien lié, il a dit, monsieur, est-ce qu'on inscrit, mais qui possède Dieu vous faire? Monsieur, je ne comprends même, ni prendre mal. Mais ça veut dire que bon éducation, même qui peut faire tout, parce que quand tout le monde qui ne même comprendre, et importance et pour membres de la SACEM, mais importance pour protéger les droits. So, et premier travail là, on a commencé avec elle. Et puis deuxième travail là, nous-mêmes tout. Et en tant que membre média, on instruit et musicien pour comprendre l'importance et protéger les droits d'auteur et puis membres de la SACEM. Parce que et j'ai papa m'a dit là, papa m'a vécu de ça, peut-être pas un peu actif, même j'en dis en succès, mais quand même, grâce à connaissance, à ce que je pense, il y a eu très bonheur, et je dis à la vie de ça. Ouais. Et ça me souhaite, Matisse Haïtien, son travail qui finit mal, n'a fait un jubilé pour certains artistes haïtiens à Paris. Bah, il n'a pas fait un appel. Après que, pas si bon Dieu, on va mettre sous pied, dès qu'il me mettre sous pied, on va développer compas anormalement en Afrique. Parce que c'est là que je vis, c'est là que je gagne ville, et je mets les compas en Afrique. Et là, je mets les compas en Afrique sous pied, il y a ouais qui ça me fait. Parce que nous avons plus d'amis qui remet compas à mort, qui prêt pour combien d'argent pour venir. Et nous avons un ami qui perd mon petit fil la semaine dernière, Valérie. À la Pini, l'aime font balle à Paris, il est toujours venu en balle là. Ça fait très mal, on est côté, on est à côté, on est dans ce fil, il y a 9 ans, ça fait très mal. Son bon support est compas, et monsieur Baman, plus le coup de main, l'aime qui mène, Matino en Afrique, il tendait le comprendre. Il voit ça qui passe en Afrique, jusqu'à maintenant, la pointe des filets en Afrique encore. Malgré ta bonne pression, elle est là-bas. Mais l'aile quittée, il vient au nostalgie qui m'a quitté en pile. Je voulais que ça m'a partagé en Afrique, m'a profité en Afrique, je voulais partager avec un pile haïtien. Très prochainement, moi, haïtien, je vais passer en vacances en Afrique. Je suis prêt à dire la vie aussi pour passer vacances là. Parce que je m'a organisé pour passer mal dans le pays, je vais recevoir, c'est comme si je suis dans le pays. Et ça me dit, je vais faire nous comprendre pour nous tendre, pour nous venir supporter en Afrique. L'autre diable va en Afrique. Quand nous suivons Jazz là, viens by force là. Même si ma partage on s'est là ensemble avec nous, on s'est des frères, t'as pas léger, passé long monde voyager, viens frère hôtel, un pile frère. On s'est des frères, ma partage ensemble avec nous, pour nous bien supporter les musiques haïtiennes, viens by force là. C'est l'année partie, c'est la préconnée, pour la encore plus force encore, pour nous puissant. Merci. On est exactement au mois de mai, le 7 mai, le 10 mai, le 3 mai, le 4 mai. Et puis,
comme tu l'as dit tout à l'heure, et peut-être que vous passez 9 mois ou 10 mois sans concert, et puis il y a un mois et demi qui a notre concert. C'est ce qu'il essaie de dire. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour ça, on va tout concert, ensemble. Tout ça va disperser, tout ça va venir dans nos ventes. Ouais, on va bah, whatever. So, d'après moi, c'est ça que je voulais dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, mais c'est ça. Tu sais quoi? C'est un problème de mentalité. Si par exemple, Karimi te fait un concert le 7 mai qui t'est marché, mais pour ce moment, tu as fait, elle dit, ah, ça passe, c'est 7 mai, bon, moi, c'est 7 mai, je ne fais pas. C'est bon, qui t'est marché le 10 mai, et bien, bon, l'autre commentaire, elle dit, même c'est 10 mai, je l'ai fait. Tu comprends, c'est comme un petit genre open-minded, on va faire une chanson, on va faire l'autre date, et puis, une chanson, et puis, on va diviser la yo, et puis, l'orange dit, lui-même, il pourrait pour le baron, l'autre chance, on va suspendre le bâton dans les roues. Ouais, je suis bloqué. Quittez le match, quittez le passé.